Bonjour, c'est parti, nous voici à la Web TV Cap Nord-Est. Donc, vu que les émissions du vendredi sont annulées pour cause de couvre-feu, du coup, on ne peut pas les faire à 18h, c'est chaud. Voilà, donc on est là aujourd'hui, mercredi. Voilà, on fera l'émission du vendredi le mercredi. Donc, sans chronique, donc on a trouvé une petite idée. Donc, je suis accompagné de Lali, qu'on a l'habitude de voir souvent. Yanis, qu'on n'a pas encore trop vu sur la Web TV, mais on est heureux de te recevoir. Voilà, et Kinan qui vient nous faire des coucous de temps en temps. Et en régie, on a Florentin, notre régisseur et notre Flow Gaming chroniqueur. Et Valentin, un autre jeune du point accueil jeune qui est venu par curiosité. Voilà, nous regarder. Donc aujourd'hui, on va faire un jeu. Voilà, on va faire un jeu. Est-ce que vous êtes chaud? Ça s'appelle le... Alors, je sais pas quelle caméra c'est. Vas-y, on dit que c'est celle-là. Non, c'est alors, attention, il faut que... Oui, parce qu'en régie, Florentin doit courir d'une table à l'autre. Voilà, c'est le... Comment il s'appelle? Le monsieur Jeu, c'est tout. Alors, on va voir si monsieur ou une dame hein, ou une jeune fille, c'est... Voilà, on fait les deux. Voilà. Oui, mais bien sûr, on sait la ligne intelligente, il n'y a pas de problème. Alors, d'après vous trois, qui va gagner à monsieur Je sais tout? Question de culture générale. Lali, tu dis que c'est toi qui gagne. Bah oui. Ok. En même temps, c'est elle qui fait la culture, donc. Voilà. Ah donc, c'est elle qui fait les chroniques culture. Donc, c'est vrai que je suis mauvais. Alors. Il a l'air mauvais, Kinan. On va dire Lali. Je mais... gagne au Burger Quiz contre ma mère quand même. Oui, on parle de Burger Quiz. Ah, là. Alors, si elle perd à monsieur Je sais tout contre vous deux, là, le niveau à la maison. Bref, voilà. Non. On ne juge pas, les gens sont ce qu'ils sont. Voilà, on est chaud ou quoi? Alors, à chaque fois que vous allez répondre à une bonne question, je vous donnerai une carte. Au bout d'un moment, on se dira, bon, on finit le jeu, allez, on se laisse 10 minutes. Donc, et on se dira, on finit le jeu, c'est parti, et on compte les cartes. Ok, vous êtes chaud? Première question. Oh, j'ai l'impression d'être sur France 3. Question pour un champion, c'est vraiment ultra cool. Moi, j'ai l'impression donc, que question, qui suis-je? Alors, je me rappelle, vous levez la main, vous faites savoir que vous avez la réponse. Donc, qui suis-je? Donc, je vais dire des phrases et au fur et à mesure des phrases, ça va donner des indices. Je suis un article de nettoyage. Je suis parfois électrique. J'ai un long manche. J'ai une petite brosse fixée à mon extrémité. Yannis. Un balai? Non. Lali? Un balai brosse? Non. Je suis utilisé par les enfants et par les adultes. Lali, alors? Serpillière? Non. On me trouve dans la salle de bain. Je sers à nettoyer les dents. Yanis. Une brosse à dents. Une brosse mais à dents. Alors. Voilà. Moi, je retourne une carte piège maintenant. Voilà. Il a piqué. Non, on ne vole pas les cartes, Yanis, s'il te plaît. Tes vieux démons, c'est l'heure du duel. Arrête. Où suis-je? Alors, c'est quelque chose qui est quelque part. Tu es dans la cuisine. Voilà. On me trouve dans différents pays. Vous me voyez par exemple à Paris, mais aussi à Tokyo. Yanis. La Tour Eiffel. Non! Il y en a une. Je suis couvert. Évitez-moi si vous avez le vertige. C'est toujours pas la Tour Eiffel. On pourrait dire que je m'élève jusqu'à l'espace. Je me trouve dans les parcs, dans des parcs à thème connus. Mickey Mouse et mes amis y sont aussi. Un château? Ah, c'est pas un château. Disneyland? C'est. Bah, effectivement, je pense que c'est à Disneyland. Où suis-je? Mes initiales sont SM. C'est, effectivement, c'est un jeu à Disneyland qui va vers l'espace. Ah, je sais pas. Space Mountain. Space Mountain. Non, sérieux, je connais rien sur Disney. Space Mountain, Space Mountain. Mais on prend une carte rouge, je sais pas ce que c'est. Ah, une carte tête de mule. Oh, mais tiens. On va pas prendre celle-là, parce que même moi, je connais pas la réponse. Je comprends pas la réponse. Dans quel pays trouve-t-on des guerriers samouraïs? Le Japon. Le Japon. Ah, mais répondez plus vite. Yannis, il est trop fort. Non, c'est eux qui sont mauvais là. Il y a un moment. Alors, question, que suis-je? Pas qui suis-je, où suis-je, mais que suis-je? On me trouve dans différents endroits de notre planète. Je suis un symbole de blancheur. Je suis faite de cristaux. Sur les sommets, je suis éternelle. La neige. J'allais le dire. Sur le sommet, je suis éternelle. C'était facile. La neige. De la neige. Allez, on va. Alors, question tête de mule. Ouais. Tête de mule. Donc, c'est une seule question pour une réponse, d'accord? Quel est le seul animal capable de s'agenouiller sur ses quatre pattes? Ah, Kinan. La vache? Eh non, c'est pas la vache. Le cheval? Non, c'est pas le cheval. Le chat? Non, s'agenouiller. S'agenouiller, c'est-à-dire que les pattes avant et les pattes arrière s'agenouillent. J'ai compris, merci. Le chien? Non, le chien, les pattes arrière sont inversées.
Quel est le seul animal qui est pas sa jolie? L'éléphant. Vraiment? C'est l'éléphant qui est le seul animal à sa jolie. C'est il y a une image? Non, il n'y a pas d'image. Ils auraient dû. Mais au cirque. Mais je suis jamais allé au cirque. Ah mince. Non, mais t'as peut-être vu un éléphant à la télé. Non, mais soyez pas mauvais joueur déjà pour commencer là. Ça fait 4 minutes qu'on joue, il y a déjà des réclamations. Hein. Voilà, attention, il reste 6 minutes. Hein. Alors, question tête de mule, pareil qu'une question et Dylan qui a une seule réponse. De quel pays Néfertiti fut-elle la reine dans l'Antiquité? Bah, c'est Yanis qui a levé la main. Égypte. T'es sûr? Oui. Ok, c'est l'Égypte. Allez, on va prendre là-dedans au hasard. Facile. Facile. Oh, une tête de mule encore. Allez, bon, tête de mule, j'ai plus au hasard. Quelle est la langue officielle? Non, mais lève pas la main. Vas-y. Réponds. Mais non, je prépare. Okay. Je me quelle est la langue officielle du Brésil? L'espagnol. C'est pas l'espagnol. Le portugais. C'est le portugais. Ah oui? Oh, merde. Merci, Carlos. Oh, merci Carlos. Dédicace à Carlos qui est portugais, qui n'est pas brésilien. Oui, non, il l'avait dit. Il l'avait dit. Il l'avait déjà dit. Oui. J'avais oublié. Ok. Alors, question, où suis-je? Je suis un Corse, Calvin. C'est Calvin. Non, c'est pas Calvin. Donc, je suis un Corse céleste. Je suis une planète. J'ai 2 satellites. Une année chez moi vaut 1 an et 10 mois et demi sur Terre. Je savais pas. Je porte le nom d'un dieu romain. Jupiter. Bah non, Saturne. C'est ni un ni autre. Je suis de couleur rougeâtre. Mars. C'est Mars. Ah oui. Ah ouais. Mais il y a trop. Je crois. Attends, c'est un dieu Mars? Je crois que c'était une déesse. Mais ben oui. Non, c'est pas un dieu. Non, c'est un dieu. Oui, non. C'est un dieu, pas une déesse. Non, non. D'accord. Bah en tout cas, c'est le dieu de la guerre. Une peut-être, un truc dans le genre. Ouais, mais ah oui, de la guerre. Mais faut que je revoie mes classiques en fait. Athéna, c'est grec. Oui, mais oui. Justement, c'est l'équivalent romain de Athéna. Oui, complètement. Qui suis-je? Je suis un personnage imaginaire. J'ai une double personnalité. L'un de mes personnages est un riche homme d'affaires. L'autre personnage lutte contre la criminalité. Oh, je fais bien. Mon major de Batman s'appelle Alfred Pennyworth. Je ne savais pas qu'il s'appelait Alfred Pennyworth. Voilà. C'est quoi déjà le nom de Batman? Bruce Wayne. Bruce Wayne. Ça doit être dans la question suivante, à mon avis. Hein. Alors, que suis-je? Un éléphant. Je suis un objet. Ah. Je peux être sans fil. Je me déplace sur la table. Non. On me tient dans la main. Si on m'utilise trop, on peut avoir mal au poignet. J'ai en général 2 boutons. Une souris. Une souris qui date à la traîne. Et à chaque fois, t'es chaud à 2 secondes près. Question tête de mule. Ah. Quel être mythique, quelqu'un de mythique, ne peut mourir que si on lui transperce le cœur avec un pieu? Un vampire. Question tête de mule encore. Comment s'appelle le chat tacheté qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud? Un gros. Lynx. C'est pas le lynx. Un oslo. C'est pas un oslo. Comment s'appelle le chat tacheté, donc c'est un félin tacheté, qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud? Chat sauvage. Non. Ah oui, c'est un chat sauvage, un gros chat sauvage. Ah, je vais rajouter un truc, c'est aussi. Ah oui. Guépard. Non, c'est aussi une marque de voiture. Le jaguar. Le jaguar. C'est pas vraiment un chat. Hein. Bah, il y a marqué chat. Hein. Relis la question. Après, on appelle les éditeurs du jeu. Vas-y. Ce truc là. Continue. Là, les questions sont claquées. Il y en a marre. La prochaine fois, ça sera à Burger Quiz. Ça sera ouais, la prochaine fois, ramène le Burger Quiz si tu veux. Pas de souci. Alors, tiens, celle-là. Oulala, il nous reste très peu de temps pour finir la partie. Question. Oui. Où suis-je? Nous nous trouvons dans l'hémisphère nord, nous sommes un phénomène naturel, nous possédons de nombreuses aurores aiguilles. Aurore boréale. C'est pas l'aurore boréale. Nous possédons de nombreuses aiguilles, nous sommes tout simplement superbes, nous nous étendons sur quelques 7 pays. Notre plante, une fleur emblématique est l'Edelweiss. Nous donnons naissance à de nombreuses rivières. Canada? Non. Non, à l'hémisphère nord, c'est... Ouais, le Canada est dans l'hémisphère nord. L'Alaska? Non, c'est pas ça. Nous donnons naissance à une rivière. Hannibal nous a traversé avec ses éléphants. Alors, ça peut être. C'est qui Hannibal? L'Italie.
Alors, c'est en Italie aussi. C'est un des 7 pays où il y a ça. Mais c'est pas l'Italie. Le tunnel de notre plus haut sommet a été percé de 1958 à 1965. C'est un grand tunnel qui est en France, qui traverse, je me sens jusqu'en Italie. L'océan ? Il traverse l'océan ? Où sommes-nous ? Notre nom commence par un A. Il n'est pas facile celui-là en fait. La réponse est cool, mais ce sont les Alpes. La chaîne de montagne, les Alpes. Les Alpes ? Ouais, les Alpes. Moi, j'en sais rien, je suis jamais allé à la montagne. On va aussi leur les appeler pour leur dire, ce serait bien que Lali aille faire un tour à la montagne. Ouais, gratos. Avant de jouer gratos, bien sûr. On est d'accord, on va pas payer non plus. Voilà. Ça va pas être possible. Question, qui suis-je ? Attention, on est dans une catégorie, normalement, vous deviez trouver. Je suis un personnage imaginaire, donc ça, normalement, c'est dans vos cordes. J'ai perdu mes parents très tôt. Je suis allé habiter à New York chez mon oncle et ma tante. Harry Potter. Loupé. Hein ? Spider-Man. Spider-Man. Yes. Oncle ah, Ben. Ah oui. Non, c'est Ben ou Ben. Ben. Bon. Lequel fait du riz ? Lequel fait du riz ? Ben, ah, c'est l'oncle Ben qui fait du riz. Donc c'est oncle Ben. Oui, okay. Ouais, c'est oncle Ben. Okay. En grand bourreau. Mais Harry Potter, c'est dans quel pays ? Yannis, il est ouf. Ah oui, Harry Potter, c'est à Londres, je suis con. Ouais, c'est un bout de l'arbre. C'est à Londres. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il est peut-être à Londres, ouais. Dans un quartier de Londres, en fait. Ouais. Peut-être, j'ai pas bien lu, j'ai vu les films en travers. Alors, question, qui suis-je ? Même si je suis un personnage légendaire, j'ai vraiment existé. Ma demi-sœur s'appelait Morgane. Jésus ? Non. Pourquoi il y avait une demi-sœur Jésus ? Je ne sais pas, moi, réellement existé, mystique, c'est Jésus. Ouais, ouais. Non, j'ai vraiment existé, ouais, je sais pas. Même Disney s'est intéressé à mon histoire. Je suis marié à Guenièvre. Mais c'est qui ça ? Oh là là ! J'ai sorti mon épée de son rocher. Roi Arthur, prince Arthur, roi, je sais pas, Arthur, il y a deux Arthur. Roi Arthur, ouais, effectivement, c'est Lali qui a levé la main avant. Et les Minimoys ? Désolé. Arthur, j'étais obligé. Ok, merci Yannis de ton intervention. Fais une tête de mule. Et c'est marrant parce qu'en fait, on a deux fois les mêmes cartes, c'est encore le Jaguar et c'est toi qui as la carte de Jaguar. Attends, alors, t'as quoi, que suis-je ? Que suis-je ? Et on comptera les patates, les cartes après, pardon. Les patates. On me mange. Je pousse sur une plante tropicale. Évitez de glisser sur ma peau. Il me semble que c'est Yannis qui avait la main en premier. Non, en même temps. Non, c'est moi. Ouais, mais moi j'ai tapé en plus. Franchement, c'est Yannis. Yannis. Je vous déteste. Voilà, c'est quoi ? Une banane ? C'est une banane. Ah. La peau de banane, là-bas. Qui suis-je ? Je suis le grand chouchou des petits. On me voit... Père Noël ? Non. Mickey ? Non. On me voit dans des livres et des films sur toutes sortes d'objets. J'ai fait mon apparition en 1926. L'auteur a inventé mon histoire pour son fils Christopher. Je vis avec mes petits amis dans la forêt des rêves bleus. Peter Pan ? Non. C'est quoi les rêves bleus déjà ? Les Schtroumpfs. Ah ben ? Non. Oh. Je suis un peu étourdi. Porcinet, Tigrou et Bourriquet sont mes amis. Winnie l'ourson ! Winnie l'ourson ! Je connaissais pas ta forêt. Bah j'ai des peluches en plus. Alors tu vois, que suis-je ? Je suis 42. Un corps céleste. Encore ? Ouais. Bon, c'est dit pas la même, non. Mieux vaut ne pas me promettre. Bien des gens essayent de me... La lune ? La lune. Oh, tu as été... Attention, j'annonce, dernier tour. Dernier tour ! Dernier tour ! Ah, dernier tour, dernier tour ! Oh, on en fait encore 3. Allez. Ouais. Dernier tour. Hey, on double les cartes. On double les points. Bah justement, okay. Ça m'arrange pas. Ah, ça t'arrange pas. Je suis en train de gagner. Ouais. Bah... On refait 3 tours quand même. C'est la régie qui demande. La régie, est-ce qu'on double les points ou pas ? Ouais. Ouais, on double les points. Ok. Vas-y. Une carte gagnée, deux cartes gagnées. Ouais. En gros, c'est ça. Ouais, je vous file les cartes. Ok. Question, que suis-je ? On m'utilise généralement une fois par jour. Je suis toujours à l'heure. Sans moi, vous seriez... Un réveil. Deux cartes pour Lali. Attends, je te donne des cartes claquées qui ne servent à rien. Ce qui ne me sert pas à grand-chose, en fait. Ah bon ? Un réveil. Tout en retard ? Oui. Question, que suis-je ? Moi, je préfère la nuit. Il m'arrive de faire peur aux gens. Je suis une spécialité... Chauve-souris. Comment ? Chauve-souris. Non, je suis une spécialité... Oh, attends, écossaise. Araignée ? Non. Attends, tu crois en Écosse ? Ma fête préférée, c'est Halloween. Vampire. Non. Bah non. Les enfants se déguisent avec de vieux draps pour me rassembler. Fantôme. De Capoculon. Dernière question. Attention, double point. Triple point. Oh, ouais, arrêtez. Oh, la régie, ils sont chauds.
Oh, la résistance. Ok, triple point, triple point. Bah, t'as qu'à la gagner, Yanis. Hein. T'as de l'avance, t'as de l'avance. Question que suis-je ? Oh, je sais pas laquelle prendre. Allez, ouais, celle-là. Les trois. Celle-là. Allez, je prends celle-là, sans celle regarder. Que ok, je retourne ma carte piège. Celle que je préfère. Que suis-je ? Je suis un oiseau domestique. Je n'aime pas les batteries. La Bresse est mon royaume. Je peux être fermier. On peut hélas me faire rôtir en bouillon. Poulet ? Un poulet. Mais, j'avais dit. Alors, allez, on compte les cartes, les trois. Jeunes. 3, je parie sur 6, 9. 7. 9. Ouais, Lali, je pense qu'elle a gagné. 9 pour Yanis, 7, 7 pour Lali. 6, 8. Quoi ? Il a retrempé. Ouais. Ah, non, il s'est pas compté, il a 7. Ok, donc on va quand même faire une carte pour départager Lali et Kinan, hein, pour savoir qui, parce que là, Yanis, vainqueur incontesté. Non, non, à 3 points, on peut faire à 3 points, s'il te plaît, comme ça on dépasse Yanis. Non, non, un point. Non, 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 Yanis reste premier, clairement, mais il a gagné. Mais c'est de la savoir, savoir qui est deuxième. Il vole des points, c'est un arabe. On fait. Mais non, ça passera pas sur YouTube. Non, ça passera pas. C'est chaud. Ok, juste pour dire un truc qui passera pas, oh, les noms. Alors, allez, une carte pour vous départager. Vous êtes prêts ? Que suis-je ? Je suis un métal et un élément. Au 19e siècle, j'ai provoqué une ruée en Amérique. Facile. On m'allie à d'autres métaux pour me durcir. Pour que je sois pur, il faut que je pèse 24 carats. Pour que. Bon, si on roule sur moi, c'est qu'on en est vraiment très riche. L'or ! De l'or. Et voilà. Je l'ai eu depuis la ruée. Mais ouais, depuis la ruée, ouais, c'est vrai que c'était. Oui, ça, bah non, mais après, faut connaître. Non, mais faut avoir la référence. Bah la ça va, je suis deuxième. C'est bon, je reprends les cartes. Je reprends les cartes, voilà. Et bah écoute, ça fait plaisir de faire un petit jeu en passant. C'est la prochaine fois, on fera peut-être un dessiné chez Lix. C'est gagné, je ne sais pas, on verra. On fera mercredi prochain. Et je me taperai encore dans un burger quiz. Ou un burger quiz. Merci Lali d'avoir participé. Merci Yanis d'avoir gagné, normal. Merci Kinan d'être encore là. Facile, cool. Merci à. Oui. Il est plus culturé parce qu'il est en 3ème. Il est plus cultivé, culturé. Oh là là, ouais, c'était mal parti. Merci à Valentin et à Florentin qui étaient en studio derrière en train de gérer les caméras, les micros, etc. Et donc on a dépassé le timing qu'on avait prévu, mais c'est cool. Allez. Bisous Beko, on va fermer le jeu de la Web TV de cette semaine et puis la semaine prochaine on fera sûrement autre chose. Allez, bisous Beko, à plus tard.